On met pas les caméras, si jamais on... Moi, je vous entends, mais je vois rien. Hein. Oui. Voilà, bienvenue pour cette deuxième émission en direct, Corbeil-Essonnes en direct. Comme la dernière fois, mardi dernier, nous sommes avec Monsieur le maire, Bruno Piriou. Bonjour Bruno Piriou. Bonjour. Avec Sophia Louze, qui est à ma droite, qui est ici, et Frédéric Piot à ma gauche, pour répondre à vos questions, réagir à ce que vous nous avez dit et continuer surtout, je crois que c'était important pour vous, Monsieur le maire, de maintenir le dialogue avec les Corbeil-Essonnoises et Corbeil-Essonnois. Peut-être vous redites un mot parce que ce n'est que la deuxième émission. La dernière fois, il y a eu 4000 personnes qui sont allées voir. On a dialogué avec 200 d'entre eux. Donc, on voit bien à quel point ça l'intéresse. Mais peut-être redites-nous pourquoi vous avez comme ça créé ce dispositif à peine annoncé le confinement. Écoutez, oui, on n'a pas tardé à réagir et à décider que le confinement ne devait pas être en plus synonyme de couper tous les ponts entre les habitants de Corbeil-Essonnes et la municipalité, en fait, ce qui fabrique du commun. Nous étions engagés depuis quelques semaines sur une démarche Imagine Corbeil-Essonnes qui consiste à donner la parole aux habitants, à se mettre 4 mois après notre élection en situation d'écoute, avec un processus que nous reprendrons après le confinement, qui consistait à écouter les habitants, 12 réunions publiques, à recueillir des propositions vers la fin novembre, et nous avions prévu vers le 12 décembre de revenir devant les habitants pour dire voilà, nous, à partir de ce que vous nous avez dit, de notre programme, on a un projet politique, voilà les engagements qu'on prend pour la période. Le confinement contrarie cette démarche, et donc il s'agit pour nous de garder le contact, tout simplement, garder le contact. Et dans cette période particulièrement difficile, après les attentats, la rentrée scolaire, le confinement, des mesures contraignantes nouvelles pour les habitants, eh bien, le pire serait que chacun reste enfermé chez soi et qu'il n'y ait pas ce dialogue. Et donc, ces moyens techniques permettent aux élus, et on tourne tous les mardis, tous les jeudis, des élus nouveaux pour être en situation de répondre aux questions des Corbeil-Essonnois. Alors, je vais apporter une autre précision, Bruno Piriou. Comme vous voyez, nous nous sommes éloignés les uns des autres, nous ne sommes pas en vis-à-vis. Nous avons une grande pièce, nous avons aéré, nous avons désinfecté le bureau, c'est votre bureau d'ailleurs, je crois, Oui. monsieur le maire, le bureau des réunions. Nous nous sommes lavé les mains, donc on a fait tout bien, normalement, de manière à ce qu'il n'y ait aucun souci, ce qui va nous permettre d'enlever le masque, ce que je vais faire immédiatement, en essayant de ne pas décrocher mon oreillette en même temps. Voilà. Bon, ce n'est pas tout à fait réussi, mais on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Je garde le masque pas loin. Mais je l'enlèverai dès que j'en aurai l'occasion, vous inquiétez pas, parce que c'est pas très très joli, il faut bien le dire, mais c'est quand même nécessaire, hein. Il faut porter ce masque et on sait que même avec le masque en ce moment, la situation est assez grave. On a vu mardi dernier que le ministre de la Santé sont venus à Corbeil, qu'ils ont rencontré les soignants, qu'ils ont vu des situations très difficiles. On a d'ailleurs projeté quasiment en direct cette visite et voilà, on voit que la situation est quand même très tendue, donc faites attention. Nous avons enlevé le masque pour l'émission, on le remettra juste après et faites pareil, même en famille, c'est très important. Alors, on va vous montrer un certain nombre de réactions que nous avons recueillies, que l'équipe qui travaille sur ce dossier a recueillies tout au long des 2 jours qui viennent de s'écouler avec les habitantes et les habitants. Et puis, nous allons également vous donner la parole par le chat. Alors, je vois d'ailleurs sur le chat que j'ai sous les yeux, hein, c'est pour ça, je ne regarde pas une série à la télé en ce moment, je regarde ce que vous nous dites. Alors, Lily Gourmandise, qui était déjà la semaine dernière, est déjà au rendez-vous, donc bonjour Lily. Mais d'autres personnes sont venues et ont déjà commencé à nous dire bonsoir. Pour l'instant, ils ne nous posent pas de questions, ils n'ont pas de témoignages, ils disent bonsoir, c'est très poli de leur part, et on les en remercie, et on vous dit bonsoir à tous. Donc, vous pouvez
envoyez vos témoignages sur le chat. Vous trouverez un lien sur le site de la ville, c'est vraiment facile avec le Facebook Live. Vous pouvez aussi, on vous envoie des mails, vous les trouverez sur la ville. Vous pouvez témoigner en direct, en vidéo, comme vous allez le voir dans un instant. Donc, je ne vous fais pas attendre. Nous avons rencontré des habitants, ils nous ont parlé. Voilà ce qu'ils nous ont dit et je vous invite à réagir juste après. C'est parti. Ça se passe bien parce que j'ai des occupations, j'ai plein de films et de séries à regarder, j'ai des livres à lire. J'en profite vraiment pour réfléchir sur mes projets de vie. Là où c'est un peu plus inconfortable, c'est peut-être pour voir la famille puisque j'ai une partie de ma famille qui est dans le 92. Je vais bien, ma famille va bien, on est tous en bonne santé, donc déjà c'est l'essentiel. Repartir sur un deuxième confinement, mais avec l'ouverture des écoles, c'est déjà plus apaisant pour moi et pour ma fille. Elle a très bien vécu l'annonce du port du masque. Elle a un âge, 7 ans, où c'est comme avoir un plat, porter des béquilles, enfin voilà. C'est de faire un petit peu comme les grands. En fait, je m'ennuie chez moi et j'ai envie de sortir, mais je peux pas. Je suis contente d'aller à l'école, mais avec le masque, j'ai pas trop envie en ce moment. Ça me fait tourner ma tête. Je suis qu'avec ma femme, donc on a un grand espace. On a une grande terrasse plein sud. On va marcher, donc on fait le long de la Seine. Également, ben, je m'occupe d'apporter l'aide à mes voisins, voisines qui sont un peu plus âgés pour aller chercher du pain, des courses ou les appeler parce que bon, des fois, ils n'ont pas toujours le moral. J'ai un appartement à Corbeil qui est très petit. C'est pour ça que pendant le confinement, je ne pourrais pas y rester. Sinon, je n'arriverais pas à rester enfermé chez moi et je serais obligé de sortir. Ma mère, j'ai de la chance, elle habite dans le 91. Il y a une forêt, il y a une rivière, il y a de l'espace vert. Je pense à des gens qui sont des petits F2, F1, à vivre dans un appartement. Je me dis, mais ça doit être terrible de vivre un mois enfermés comme ça, ils n'ont fait vraiment rien pour eux. Ce que je vis de plus en plus mal, c'est les interactions sociales, de ne plus voir les amis, de ne plus voir la famille, de ne plus partager ce que je lis, ce que j'écoute et tout ça, de ne plus partager les idées avec les uns et les autres. Je trouve ça vraiment frustrant. En tant que commerçante sur Corbeil, c'est un peu dur, hein, on ne va pas se voiler la face, on a perdu énormément de chiffre d'affaires. Du coup, le rapport que nous, on a avec nos clients, au téléphone, on essaye de leur remonter le moral, il y en a qui nous disent qu'ils ont envie de fleurs, on leur fait des photos, on leur envoie des SMS. Le confinement, quelque chose de positif pour moi, parce que je peux travailler chez moi et je ne suis pas plus obligée de voir une heure et demie aller de retour pour aller travailler. Ce qui est positif aussi, c'est quand on est à la maison, on peut vivre un peu plus la ville, éventuellement d'aller faire mes courses régulièrement au lieu de les concentrer une fois par semaine, voilà, ou pouvoir redécouvrir les commerces, même s'il n'y en a plus véritablement. Tout le monde est dehors, tout le monde vit sa vie. La seule chose qui change, c'est une attestation. Une autorisation, tu l'as fait, je sais pas, tu l'as fait sur un téléphone, tu peux mentir et te laisse passer. Et du coup, je trouve ça dommage de mettre des amendes à ceux qui n'en ont pas, alors qu'ils ont peut-être des raisons valables, en fait. Il y a des choses qui sont injustifiées. Du coup, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des gens, en fait, pour ça, qui viennent expliquer le pourquoi du comment. Je vois beaucoup de monde partout, tous les magasins sont presque ouverts. Nous, on accueille quand même les enfants, du coup, on travaille. Du coup, je ne le sens pas vraiment, le confinement. Trop de population dehors, je ne pense pas que ça soit la bonne chose pour arrêter le virus. Voilà, je le disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais on a l'impression que tout le monde est perdu et ça n'épargne personne. On est tous dans la même situation, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir et c'est un peu troublant comme situation et on voit bien que chacun réagit un peu à sa façon. Frédéric Piau, pouvez nous dire un peu comment vous ressentez ce qui a été dit et comment vous-même vous vivez cette situation? Oui, il y a effectivement les gens peuvent paraître un petit peu perdus, mais globalement, je trouve qu'ils sont plutôt positifs et ils essayent de trouver du positif dans la situation. C'est-à-dire, ils essayent de s'occuper comme ils peuvent, ils font avec ce qu'ils ont, ils s'adaptent. Et moi, je trouve ça assez remarquable quand même que globalement, ça, pour l'instant, alors, le confinement démarre, ça fait que quelques jours. Peut-être qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, le moral serait peut-être pas, sera peut-être pas le même. Mais on pense à son voisin, on essaye de sortir même si on ne va pas très loin. Le télétravail permet de plus avoir les trajets. Je pense qu'il faut peut-être un petit peu de temps pour sentir effectivement la perte un petit peu de lien. Moi, à titre personnel, c'est un petit peu ça ce qui m'a le plus gêné.
c'est de pas pouvoir inviter des amis, discuter de choses, aller me balader en forêt avec des amis, aller plus loin qu'à un kilomètre en termes de liberté, c'est quand même contraignant. Mais bon, finalement, voilà, moi je trouve que l'adaptation est plutôt remarquable, en tout cas. Alors c'est peut-être l'habitude du premier confinement qui fait que on devient résilient malgré cette contrainte relativement importante. Donc c'est-à-dire que les Français, au fond, ils sont capables d'accepter des contraintes s'ils ont le sentiment que c'est utile et que c'est bon. Contrairement à ce qu'on a souvent l'impression qu'on serait par nature un peuple qui refuserait tout, finalement, on arrive à se discipliner, on va dire. Oui, oui, on râle quand même un petit peu. Oui, c'est normal. Parce qu'on perd quand même beaucoup de choses. Alors c'est peut-être, comme on sait, c'est un mois. Et puis on est tous dans le même bateau, hein. Voilà, il y a des enjeux qui sont quand même importants par rapport aux gens vulnérables. Donc je pense qu'il faut jouer le jeu, après, faut continuer à vivre quand même avec des masques, faut sortir quand même avec les autorisations qu'on a. Hein. Ouais. Mais faut quand même, on a le téléphone, faut organiser des visios, avec les parents éloignés. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai eu plus de rencontres comme ça, familiales, pendant le premier confinement, en visio, que si, il n'y avait pas eu le confinement. Donc, voilà, on voit plus souvent ses parents, éventuellement, les enfants. Oui, on arrivait à regrouper les enfants, les petits-enfants qui sont aux quatre coins de la France. On arrivait à se regrouper là, alors que physiquement, c'était impossible. Il y avait d'autres côtés positifs. Ok. Alors, c'est positif en même temps, Sophia, je me tourne vers vous. On a tout de suite vu des gens le dire, d'ailleurs. Ça dépend un peu des situations dans lesquelles on vit aussi. C'est assez, on le voit d'ailleurs, il y a eu des statistiques sur le Grand Paris que tout le monde a vu, qui montrent qu'on n'est pas tous touchés de la même manière par la situation, y compris la maladie. Donc, il y a beaucoup d'inégalités. Alors, à la fois, réagissez à ce que vous venez d'entendre de la part de vos concitoyennes et concitoyens, et puis aussi vous-même, et puis comment vous voyez un peu la situation à quelques jours du début du confinement. On a l'impression que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens sont un peu perdus. Premier confinement, les gens étaient confinés à la maison, personne ne sortait, sauf pour nécessité urgente. Et là, cette fois-ci, les enfants vont à l'école, ce qui nécessite aussi la sortie des parents, parce qu'ils emmènent les enfants. Ils vont, moi j'ai fait l'entrée de l'école 4 vents au Tarteret. Les parents, ils étaient perdus. Ils étaient tous en train d'attendre à parler au directeur pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient avoir une autorisation? Est-ce qu'ils allaient être verbalisés parce qu'ils faisaient... ils laissaient moins aussi leurs enfants le soir à l'étude parce qu'ils avaient, peur. Donc ils minimisaient en fait la présence à l'école, contrairement aux enfants, qui étaient quand même cette fois-ci contents de reprendre l'école, de retrouver leurs amis et de revenir à l'école. Voilà. Et puis, je vois que le monsieur qui disait... l'entraide s'est beaucoup installée pendant la période du confinement. Et c'est vrai que là où les gens ne demandaient pas spécialement après leurs voisins, puisqu'ils allaient travailler le matin, ils revenaient. Là, ils étaient confinés, donc ils s'appelaient entre eux. Ils essayaient de voir s'ils pouvaient aider le voisin, s'ils pouvaient aider dans le quartier. Et là, donc, c'est une autre forme qui s'est installée, une autre forme de solidarité, de vivre ensemble qui s'est installée quand même durant ce confinement. Et on se demandait la première fois si ça allait durer, si après le confinement, ça allait durer. Et puis voilà un deuxième confinement. Et puis peut-être, j'espère que non, mais peut-être un troisième est à venir. Est-ce que la solidarité qu'on a tous observée la première fois, on a tous noté que, contrairement au mythe de l'individualisme dominant, les gens avaient trouvé tous des moyens de s'aider. Est-ce que ça continue? Est-ce que malgré les difficultés dont vous parlez, parce que maintenant on travaille plus, Moi, je pense que ça continue. Moi, je vois dans les quartiers, les gens... où les gens ne se parlaient presque plus parfois, parce qu'ils étaient occupés, ou ils ne se voyaient que le week-end, ils se disaient bonjour dans l'escalier ou dans le quartier. Là, c'est vraiment quand ils voyaient qu'un voisin n'apparaissait pas pendant 2-3 jours, ils allaient toquer à la porte ou l'appeler au téléphone pour voir si tout allait bien. Et on voyait même les jeunes, même les jeunes qui étaient dans les quartiers, parfois... on sait qu'un jeune, parfois, c'est, je veux dire le terme entre guillemets, un peu égoïste. Les jeunes ont commencé à aller chercher chez les voisins si tout allait bien, quoi. C'est,
C'est incroyable, cette forme de solidarité qui s'est créée d'elle-même, en fait. Alors, je vais vous donner la parole, monsieur le maire, mais je l'ai dit, il y a des gens qui sont en train de dialoguer avec nous. Alors, je vais donner trois commentaires. Et j'en réserverai un pour vous, monsieur le maire, tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui admire beaucoup le tableau qu'on voit derrière nous et qui veut savoir de qui est-ce. Donc j'espère que vous nous donnerez la réponse dans un instant. Ça, c'est parce qu'il faut quand même sourire. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie qu'il faut prendre les choses au tragique. Mais Sylvie nous dit qu'il faut penser au personnel communal de l'entretien. Il faut du personnel pour l'épidémie. Un autre nous dit, je ne vois pas son prénom, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent avec ce masque. On en a beaucoup parlé la dernière fois et en ce moment, c'est un sujet qui monte énormément, vous avez entendu. Donc, on est intéressé de vous entendre dessus. Et puis ensuite, alors peut-être répondant à l'appel qu'avait lancé Michel Noailles sur ce plateau mardi dernier, qui avait dit, on cherche du monde en ce moment parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne sont pas là, on a besoin. Alors, il y a Kevin qui se propose pour travailler à midi dans les écoles ou la cantine. Donc, je le redis, il faut prendre contact avec les services de la ville en allant sur le site, je pense, à moins qu'il y ait un autre circuit téléphone, plus court, un téléphone. Au pire, on me dira en régie tout à l'heure ou on inscrira en régie le téléphone qu'il faut appeler pour pouvoir se manifester. Voilà, donc il faut prendre ça en compte. Il y a toujours des gens qui sont disponibles. Alors, monsieur le maire, réaction à ce qu'on a entendu tout à l'heure et à ce début de discussion, et on reviendra sur la solidarité dans le cours de notre dialogue, parce qu'il y a déjà des responsables d'associations de solidarité qui se sont manifestés pour intervenir en direct sur le plateau. Je vous écoute, Bruno Piriou. Non, mais d'abord, il faut reconnaître la difficulté de la situation, quoi. C'est une période troublée, il y a de l'anxiété partout. Et donc, notre responsabilité, je l'ai dit lors du premier rendez-vous, c'est de chercher malgré tout à être du côté ensoleillé de la rue. C'est-à-dire que dans les situations difficiles, ne rajoutons pas de la peine à la peine, mais cherchons, comme Frédéric l'a dit, à essayer de trouver du bonheur malgré tout. Mais il ne faut pas que ce soit incantatoire, sinon on n'est pas des gens sérieux. Et donc il faut à la fois, je le redis, tu parlais tout à l'heure de la visite il y a deux jours, du Premier ministre et du ministre de la Santé à l'hôpital. Quand nous sommes à l'hôpital face aux infirmières, aux médecins, oui, la situation est grave. On peut toujours avoir les considérations politiques que nous voulons, et nous en avons. Je le redis là, il faut qu'on n'attende pas des crises pour considérer que l'hôpital public mérite plus de moyens. Dans l'immédiateté, il faut faire face, et le message, je m'en fais leur porte-parole, des médecins et des infirmières, c'est qu'il faut être sérieux. Sérieux, c'est effectivement porter le masque, se laver les mains, éviter les contacts, etc. Et en même temps, je souhaite être un maire avec mes collègues qui fasse appel à l'intelligence des gens et ne pas infantiliser les habitants. Moi, je comprends le jeune qui dit, voilà, je m'autorise à sortir. Je ne serai pas un maire qui incitera à ne pas remplir l'autorisation, sinon les gens vont être verbalisés. Mais c'est bien qu'on n'interdise pas les réflexions et le débat démocratique et de se dire, est-ce bien raisonnable de dire « je m'autorise à sortir ». Faisons appel à l'intelligence des gens. Par exemple, donc Sophia reviendra d'ailleurs sur comment dans une situation difficile, il faut que l'entraide et la solidarité montent en puissance, qu'à quelque chose, malheur soit bon, d'accord. Mais moi, j'ai envie de faire appel à l'intelligence des gens. Par exemple, on a le droit de sortir. Il fait beau en ce moment, on a le droit de sortir. Moi, je ne lance pas un appel à dire « restez chez vous ». Non, ce n'est pas vrai. D'abord, tu l'as dit, il y a des inégalités. Je suis le maire de la commune, j'ai la chance de pouvoir sortir, d'aller travailler. Il ne faut pas que ce soit réservé à quelques personnes. Donc, on peut s'autoriser à aller marcher dehors, prendre l'air à un kilomètre de chez soi. Faisons-le. Faisons-le, si on respecte les règles, il ne faut pas que ce soit une souffrance supplémentaire de devoir rester chez soi. Donc ne pas infantiliser. J'ai régulièrement les services préfectoraux, le préfet, la direction de l'inspection académique. Et donc le dialogue continue. Par exemple, la question du port du masque pour les enfants de 6 ans. Moi, je souhaite que ce soit un débat. Est-ce vraiment nécessaire ?
Parce que quand les parents voient leurs enfants qui aimaient aller à l'école, qui veulent toujours y aller, et Michel Noy le disait il y a deux jours, il y a eu une très très grande présence de retour à l'école après les vacances de la Toussaint. Mais là, au bout de deux jours, il y a des gamins qui disent « Maman, papa, je ne veux plus y aller parce que le masque, c'est pénible. » Moi, je souhaite qu'on ait le débat. Voilà. Je l'ai dit aussi, c'est dans ces moments difficiles où il faut que la démocratie soit la plus vivante possible. Sinon, on rajoute de la souffrance à la souffrance. Voilà. Alors, bon, quelques réflexions. J'ai quelques remarques. Et on va agir. Qui nous viennent. Vous les prenez dans l'ordre que vous voulez avant qu'on relance un petit peu en redonnant la parole à ceux qui ont souhaité la prendre et qui nous ont donné un petit peu de temps pour qu'on les enregistre. Il y a quelqu'un qui nous demande si on sait le nombre de personnes âgées qui sont actuellement bloquées à leur domicile à Corbeil et qui sont éventuellement touchées, voire décédées pendant le confinement. Est-ce qu'il y a des statistiques qui existent et est-ce qu'on peut les communiquer ou est-ce que non, c'est trop difficile? Alors, rapidement, oui, j'en ai parlé il y a deux jours. On a recensé avec notre service senior, donc à Charlottes-en-Sarre, j'y étais il y a deux matins, 500 à peu près, 570, 580 personnes âgées isolées à Corbeil-Essonnes. Et donc, d'ores et déjà, nous avons du personnel au téléphone pour rompre l'isolement et toute la journée appeler ces personnes. Voilà. Mais l'appel, ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de mettre en danger, évidemment, les personnes isolées. Mais Charlottes-en-Sarre a un réseau de bénévoles pour aller sonner à la porte, rester à distance et rompre l'isolement. C'est une souffrance, d'abord, toute l'année. Il y a de l'isolement. Mais alors, dans cette période, c'est encore pire. Et donc, voilà, le réseau de solidarité, c'est, voilà, je disais l'autre jour, il faut être imaginatif, créatif, pour empêcher le virus de se développer, mais il faut être inventif, en direct, créatif, pour créer de la solidarité, rompre l'isolement. Et donc, je le redis, il y a effectivement le site de la ville pour se rendre disponible. Il y a aussi le téléphone 01 60 89 71 79, où on peut téléphoner. Michel Noy a annoncé un appel aussi pour que on va embaucher des personnes pour faire de venir le midi pour la restauration scolaire. Et donc, voilà. 72-01, il y a une cellule d'écoute. Oui, et il y a une cellule, mais bon, peut-être tu non, mais on peut le dire au fur et à mesure. Hein, après, donner revenir, des précisions, rien, parce qu'on veut augmenter notre standard pour être joignable. Et tout à l'heure, en sortant de mon bureau, il y avait une personne qui appelait mes collaborateurs pour dire, ben voilà, moi je suis prêt à travailler deux heures pour, et rémunérer, là pour le coup, pour venir aider sur notamment la restauration scolaire. Alors, juste, on va regarder une nouvelle vidéo, mais je veux, enfin la vidéo, c'est-à-dire vos témoignages, je veux quand même... Prenez les questions comme elles viennent et n'importe qui peut se porter volontaire pour y répondre. Alors, il y a des commentaires sur la stratégie du gouvernement. Donc, évidemment, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas très cohérent, on ne comprend pas très bien, les décisions se succèdent, qu'elles ne sont pas très, très cohérentes. Bon, on ne va pas instruire ici un débat, d'ailleurs sans sa présence avec le gouvernement, mais vous êtes en train de discuter entre vous de ce sujet. Donc, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire vous répondre sur le chat et discuter entre vous. C'est très bien. Il y a des gens qui sont en colère, des gens qui comprennent, d'autres gens qui réagissent à ce que vous venez de dire, Bruno Piriou. D'accord pour sortir, mais il faut absolument porter son masque. Lily Gourmandise qui nous demande, je cite son nom parce que c'est rigolo, mais qui veut savoir si on sait le nombre de personnes touchées positives à Corbeil. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des recensements par ville, mais vous nous le direz dans un instant. Et puis encore, quelqu'un qui dit, est-ce qu'il faut vraiment laisser les commerces des bits d'alcool ouverts? Voilà, on se voit qu'il y a des évolutions sur ce sujet, à Paris notamment depuis ce matin. Voilà, 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 et beaucoup de choses sur le port du masque. Donc voilà, on vrac, vous pouvez répondre dans un instant. Je pense qu'on retourne un peu vers les Corbeil-Essonnois qui nous ont donné un petit peu de leur temps. On regarde et on poursuit le débat et j'invite les gens à continuer sur le chat. Allons-y. Je souhaiterais qu'il y ait plus de décisions un petit peu locales, adaptées aux besoins de la commune, aux besoins des résidents, pour essayer de, disons, d'ouvrir peut-être plus certains magasins que d'autres. Certaines librairies peuvent être, enfin, de mon point de vue, pourraient être ouvertes parce qu'on n'est qu'une personne à l'intérieur. Je sais qu'il y a des communes qui ont mis en place des coupons d'entraide, c'est-à-dire qu'on achète une somme qu'on aura au déconfinement la possibilité de pouvoir payer dans les différents commerces de la ville. Je sais que sur la première vague, Corbeil-Essonnes n'avait pas mis en place cette action, enfin à ma connaissance, et ce serait peut-être là l'occasion
avec les fêtes qui arrivent, de proposer quelque chose de solidaire. On est obligé de faire la queue pour aller faire des tests dans des laboratoires avec des délais incroyables. La ville pourrait peut-être mettre en place le système de drive qui a été mis dans d'autres villes, qui est très intéressant à mon sens, qui respecte les distances, la facilité, la rapidité, un parking, une tente, on passe en voiture, on fait le test, on est dépisté, on a les résultats sur notre boîte mail, et puis voilà, on n'en parle plus, c'est fait. Il faut mettre en place des moyens d'urgence pour traiter une situation d'urgence. Merci. Alors, peut-être on pourrait tout de suite répondre, parce que pendant que la vidéo passait, j'ai eu plein d'informations directement de ma droite, Bruno Piriou. Alors, des drives, des mesures prises par la ville pour tester, où on en est où ? D'abord, le peintre. Ah oui, le peintre. C'est Héro, un peintre contemporain qui a exposé à Corbeil-Essonnes, un peintre figuratif, qui a exposé à Corbeil-Essonnes ce tableau lors d'une exposition en 1983. Et d'ailleurs, voilà, pas que de la tristesse, cette peinture représente les rues, les noms des rues de Corbeil-Essonnes, et dire que voilà, nous avons décidé dans la période de sortir des coffres toutes les œuvres qui appartiennent à la ville et de les mettre dans les bâtiments publics, donc pas que dans mon bureau, partout dans le nouveau centre administratif, et on va en mettre d'ailleurs à Charles-Tansard et un petit peu partout. Sur, donc la question, c'était sur des tests. Les tests. Est-ce que la ville peut prendre des décisions elle-même, oui, ou est-ce qu'on doit attendre le gouvernement ? Il faut des autorisations. On est en mesure de dire, on a eu le point hier, que dans les jours qui viennent, 4000 tests vont être disponibles pour les habitants de Corbeil-Essonnes et le personnel. Donc, on est en train d'organiser tout ça sur où on va pouvoir aller se faire tester, etc. C'est une initiative qu'on a prise, comme les masques pour enfants d'ailleurs dans les écoles, 32 000 masques en lien avec l'agglomération Grand Paris Sud. Je donnerai à la prochaine vidéo mardi prochain, mais si on a l'information, je donnerai l'information avant. 4 000 personnes vont pouvoir être testées à Corbeil-Essonnes gratuitement à notre initiative. Très bien. On va mettre dans un instant le numéro de téléphone que vous avez signalé pour les gens qui ont besoin de rentrer en contact pour proposer de l'aide, etc. 89. On leur dira, mais je l'ai sous les yeux, je ne vais pas vous le cacher. 01 60 89 71 02. 01 60 89 71 02. Il va arriver à l'antenne. Et voilà, il suffit de le 02. Et là, je vois 01, donc quelqu'un en régie s'est trompé. C'est bien, non ? C'est 01. Ah, c'est 01, donc voilà. Donc alors, je le redis, 01 60 89 71 01. Voilà, c'est bien 01. Frédéric Piau, réaction à ce qu'on vient d'entendre, et puis peut-être je voudrais revenir sur deux, trois aspects qui sont au fond dans vos préoccupations, en tout cas dans vos responsabilités. Oui, ben... L'affaire des coupons solidaires, par exemple, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'idée d'aider un peu les commerçants en anticipant ? Il y a des villes qui ont fait ça. Oui, oui, oui. Ce serait bien, effectivement, le dispositif où on commande par Internet et le retrait, le retrait devant le magasin est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille plus loin pour soutenir les commerçants, parce que déjà, tous les commerçants n'ont pas un site Internet. Ça, c'est un vrai sujet. Je crois savoir qu'on est en train quand même de développer une petite plateforme sur le site internet de la ville pour favoriser les échanges et être le relais justement des commerçants pour pouvoir les faire continuer à travailler dans cette situation-là, même s'ils ont leur rideau fermé, mais qu'ils puissent distribuer devant. Alors, je ne sais pas si... On en a parlé hier, mais je ne sais pas si c'est déjà fonctionnel ou pas. Je n'ai pas la date, rapidement. Fait. Juste un mot, en un mot, Pierrick Gautreau, qui est notre maire adjoint au commerce, sera invité à l'un des visios la semaine prochaine. Et on est en train de mettre en place. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas encore fonctionnel, mais... On a considéré que ça ne servait à rien de prendre un arrêté qui les autorisant, parce que le préfet nous a dit qu'ils allaient être verbalisés. Donc, on a préféré penser, effectivement, on trouve ça... complètement improbable aussi de dire, alors on ferme tous les petits commerces, mais on peut s'entasser à l'Agora ou à Carré-Sénart ou à Villabé. Mais bon, moi je ne suis pas là pour être rebelle contre les mesures gouvernementales, mais pallier à ce qui nous paraît être indispensable. On aura la semaine prochaine un dispositif, mais on veut le construire avec les commerçants. Et donc Frédéric a raison, on est en train de contacter bon nombre de commerçants pour être à leur écoute et se rendre utile pour qu'ils puissent continuer à travailler. Alors il y a deux dossiers qu'on a un peu découverts, ou en tout cas qui sont renforcés pendant le premier confinement, et qui sont dans votre domaine de compétences, comme on dit, en tout cas dans vos responsabilités d'adjoint. C'est la mobilité,
Alors, le vélo a fait un bond incroyable la dernière fois et beaucoup de gens nous ont demandé dans les premières réunions d'Imagine où on en était sur le vélo, c'est une première chose. Et la deuxième, je fais le lien avec ce que vous venez de dire, aider les commerçants, c'est éviter de tout commander sur Amazon. Amazon qu'on connaît bien parce qu'ils ont une plateforme assez importante pas loin. Hein. Donc ça, dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est aussi dans votre domaine, on voit bien l'importance que ça a. Alors comment vous voyez ces deux questions à la lumière de ce deuxième confinement, Frédéric ? Ben, bon, pour insister, faut effectivement toujours essayer de commander, de soutenir nos commerçants et si possible d'aller pas loin, même si c'est... voilà. D'ailleurs, il y a une personne, un témoignage d'une personne disait qu'elle en profitait justement pour faire des petites courses juste à côté plutôt que d'aller loin en voiture et voilà. Donc, il faut vraiment encourager ce type de commerce. Et c'est vrai que sur la mobilité, le vélo a fait un bond grâce à ça. Donc, ouais, ça recoupe un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des côtés positifs voilà, au confinement. Ça déculpe les idées, les recherches de solutions. Et là-dessus, ben, oui, on est en pleine réflexion pour effectivement construire un vrai plan vélo sur la ville. Pas que vélo, mobilité douce en règle générale, parce qu'on peut faire aussi beaucoup de choses à pied en ville. Mais le vélo est quand même un élément important qui permet d'aller quand même assez vite. En même temps, c'est pas facile à Corbeil parce que j'y circule beaucoup, moins que vous peut-être, mais beaucoup. C'est quand même pas une ville facile à traverser, il y a beaucoup d'endroits difficiles. Est-ce que ça va aider, enfin on va pas remercier le virus, mais est-ce que vous pensez que comme on découvre un peu toutes ces questions et en tout cas qu'elles n'ont pas toujours été traitées, est-ce que ça pourrait accélérer le traitement de ces questions ? Honnêtement, c'était déjà en route, c'était dans notre programme. Pour nous, c'était prioritaire parce que vraiment, les pistes cyclables se comptent sur les doigts d'une main à Corbeil-Essonne, enfin, juste avant qu'on arrive. Donc là, on a vraiment tout à faire. Alors bon, c'est d'un côté, c'est positif, hein, puisque rien n'a été mal fait, puisqu'il n'y avait rien de fait. Hein. Ah, donc, ça, voilà. Avoir du retard, des fois, c'est positif, ça permet oui, de faire oui, bien. Mais oui, oui, comme ça, on va essayer de bien faire tout de suite. Alors, on va prochainement créer un comité consultatif pour construire avec les habitants un vrai plan de circulation vélo pour qu'on puisse repérer les endroits favorables, les circuits pour aller domicile, domicile école, domicile travail, domicile gare. Voilà, de faire des circuits où on essaye d'éviter les côtes parce qu'à Corbeil, il y a quand même beaucoup de côtes. Et qui ne sont pas petites, donc on doit travailler... Vous n'allez pas faire... raser la ville quand même. Non, on ne va pas raser la ville, mais si on peut contourner, quitte à faire des fois un peu plus de mètres pour aller là où on veut. Mais voilà, tout ça, ça se travaille. On va le travailler avec les habitants, avec les associations de vélo, pour essayer de ne pas faire d'erreur. Il y a des coûts déjà qui sont partis, heureusement, avec GPS, qui vont se mettre en place. GPS. Grand Paris Sud, pardon, excusez-moi. On pourrait croire que c'est le système de guidage de, nos, oui, c'est vrai, de c'est notre vrai. Voiture. Et donc, il y a des choses qui vont se faire en 2021, 2022, sur les voies communautaires, autour de la gare, peut-être dans les allées. Enfin, voilà, on est en discussion. On a validé là quelques éléments il n'y a pas très longtemps. Alors, Ilana, excusez-moi de vous couper, mais parce qu'il faut qu'on avance, nous parle des circulations en disant oui, c'est bien, les VTT, les vélos, mais les personnes à mobilité réduite, c'est vraiment très difficile. Elle dit c'est catastrophique. Est-ce que ça fait partie aussi de la réflexion ? Oui, c'est pas le plan de mobilité vélo. Enfin, c'est clair, d'accord. C'est pas le vélo. Mais les personnes en situation de handicap doivent pouvoir se déplacer facilement. Hein. Ça n'a rien de spécifique. Ilana, peut-être qu'Ilana, qui nous laisse un message, pourrait s'inscrire, et je vous invite tous à le faire, pour participer au comité consultatif que vous mettez en place pour discuter des circulations. On va faire un appel à candidature sur le site internet prochainement sur le prochain journal de la ville. En décembre, probablement, on va faire un petit appel. Et il y a aussi, il me semble, un comité handicap qui est passé au dernier conseil, où justement on va étudier ces problématiques, parce que c'est vrai que parfois, le passage des personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi le passage des poussettes, enfin voilà, il y a quand même un petit sujet sur les trottoirs, sur la continuité des circulations pour ces personnes-là qui ne sont pas évidentes. Et là, on a quand même un gros travail à faire sur la ville.
Alors, je le dis à Paola, à Marie-Claire qui se manifestent, qui ont des choses à vous apporter. Il y a un appel qui est lancé pour participer activement à la définition et à co-élaborer un peu ce plan dont vous parlez. Ça va être mis en place, mais n'attendez pas. Hein, voilà, on donnera vos coordonnées à Philippe Piot et Frédéric, pardon, excusez-moi, et il pourra à ce moment-là bénéficier de votre regard très éclairé, puisque je vois qu'il faut réfléchir au pont, la traversée de la Seine. Voilà, les gens sont évidemment des experts de leur ville, donc ils savent très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, je veux pas, parce que l'heure avance, on doit parler d'un autre sujet qui a été très très présent dans les appels que nous avons eus et dans les choses qui sont arrivées, et la dernière fois mardi, c'est les questions de la solidarité, parce que c'est une ville qui est évidemment très touchée par un certain nombre d'inégalités, c'est comme ça, et donc les gens réagissent et se mettent en mouvement. Donc je voudrais qu'on envoie tout de suite les quelques témoignages qu'on a là-dessus, de vous faire agir Sophia Louz, et puis on prendra au téléphone qu'elle se prépare, Myriam Sediki et Ali Gatoufi, qui sont responsables d'associations et qui travaillent avec vous aussi sur ces questions. Voilà, je prépare le programme. Allons-y, c'est parti, on vous écoute. Moi, personnellement, j'aime pas rien faire, du coup, je galère. On est ouvert de 10h à midi, on n'accueille personne. Au lieu d'être à la maison de quartier à attendre les enfants, on pourrait être à l'école pour les aider, ou n'importe, à la mairie, dans les centres administratifs. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une boîte de masques ou d'acheter des masques jetables ou lavables. Donc, en fournir aux personnes qui sont, je ne sais pas, peut-être regarder par rapport aux cautions familiales ou à certaines choses, certaines données que la mairie a, aider les personnes plus défavorisées à je ne sais pas, à imprimer les attestations, qu'il y ait un point d'impression. Le gel hydroalcoolique aussi, ce serait pas mal que, bah, par exemple, on leur fournisse une petite bouteille de gel hydroalcoolique. Peu de choses sont mises en place niveau protection par l'État. C'est chaque maire qui a essayé comme il pouvait de protéger ses habitants. Donc, je me dis que vu tout ce qu'il a déjà fait, s'il pouvait rajouter ce petit truc en plus, franchement, ce serait pas mal. Mobiliser les associations? Parce que je pense qu'elles sont soumises à des restrictions. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas venir en aide aux pauvres, en fait. Les gens, peut-être, qui sont dehors, à la rue, ils n'ont pas de foyer, et on leur demande de se confiner, mais vous se confinez où, au final? Je souhaiterais maintenant que cette équipe est élue, soit vraiment présente, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour les gens qui sont à la rue. Actuellement, on a vraiment besoin de soutien, et j'ai envie que Corbeil, notre maire, fasse comme certains maires dans le 93, attaque le gouvernement en disant oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? J'ai envie que Corbeil soit une ville à part. Voilà, une ville à part. Beaucoup d'offres, de réflexions sur la solidarité, Sophia Louz. Alors, comment la ville fait face? Parce que c'est une ville qui a déjà, en général, à avoir des actions en matière de solidarité. Mais évidemment, avec le confinement, les besoins ont décuplé. Alors, comment faites-vous face? Bah écoutez, là, on a mis en place cette semaine une mobilisation municipalité et association. Donc, nous allons faire de la distribution, c'est-à-dire que les habitants vont appeler un numéro à la centrale d'écoute qui vont les diriger vers le CCAS. Donc, le CCAS va prendre les noms des gens. Et le lieu de l'habitation, on a dit on ne va pas mettre de critères, puisque déjà pour rappeler, je pense que le geste est déjà assez… une personne qui est dans le besoin a du mal déjà par fierté, par… Donc si quelqu'un appelle, voilà, c'est qu'il a besoin. C'est qu'il en a vraiment besoin. Donc nous, on a mis en place, on va réceptionner tout ce qui est aide alimentaire et hygiène à la maison des associations, au Tarteret. Et le service logistique vient, donc là, ça va être divisé sur 10 points de distribution sur la ville. Nous avons ouvert les maisons de quartier, donc avec le personnel du service jeunesse, les animateurs. Et dans chaque maison de quartier, il y aura une ou deux associations. Pourquoi les associations aussi? Parce qu'ils sont, ils sont plus aptes parfois, à connaître les gens en difficulté qui ne se manifestent pas, que la municipalité. Donc, alors du coup, la jeune fille qu'on a vue au tout début qui dit au fond, moi je suis là et pour l'instant, comme personne ne vient,
bah, je me sens un peu inutile, elle va pouvoir agir et tout comme à elle fait. L'a souhaité. Enfin, nous, on s'est ouvert à tout le monde. On a mis les distributions. Pour l'instant, on a vu avec le service jeunesse et le service de la culture qui, eux, vont fermer. Donc, ils mettent aussi à disposition leur agent pour aider. Le service logistique pour déplacer les aliments et l'hygiène vers les maisons de quartier. Et il y a deux ou trois associations qui ont leurs propres locaux. Donc, eux, ça sera dans leur local. Plus, on a une association, donc Ali, Entraide et Solidarité, qui lui fera les hôtels sociaux. Très bien. Alors, peut-être je lance un appel. On va tout de suite, vous allez me le dire en régie, si on a soit Myriam Sédiki de l'association Drôle de Dame ou Ali Gatoufi d'Entraide. Alors, on a Ali Gatoufi d'Entraide et Solidarité. On va lui donner la parole dans une seconde. Je voulais juste dire que n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers le site de la ville. Si vous prenez des initiatives que vous voulez faire connaître, il y a celles dont vous venez de parler, mais peut-être d'autres gens prennent d'autres initiatives encore. Oui. Et on peut parfaitement aller vous voir, vous entendre, vous regarder, vous filmer et faire partager parce que les gens, en fait, veulent agir. Ce qui est remarquable, c'est que les gens ne veulent pas rester passifs, ils veulent jouer un rôle. Alors, Ali Gatoufi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, manifestement, bonsoir. Vous êtes avec nous. Bonsoir. Votre association, c'est Entraide et Solidarité, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, dites-nous un peu comment vous agissez dans cette période et, j'allais dire, comment vous agissez et comment on peut vous aider à agir? Alors, bonsoir à tous, tout d'abord. Merci pour cette intervention en direct sur la ville. Donc, le but de notre action, notre association en tout cas, c'est de venir en aide à la population dans le département de l'Essonne. Et dans notre ville aujourd'hui, Corbeil-Essonne, qui malheureusement en ce moment a beaucoup du mal à trouver des solutions pour les personnes en grande difficulté dans la rue. Il faut savoir qu'on a beaucoup de monde sur la ville actuellement. Les personnes SDF, sans domicile fixe, et les familles vivant dans les hôtels sociaux. Et nous, depuis des années maintenant, on intervient auprès de ces gens-là. Et on a du mal à trouver la possibilité d'aider tout le monde. Donc c'est très difficile hein, en ce moment. En plus, avec le confinement, c'est vraiment difficile. Comment est-ce que les habitants qui souhaiteraient vous aider, et il y en a, on l'a déjà entendu plusieurs fois dans les réunions publiques que nous avons faites, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être actifs, d'être acteurs et d'aider. Comment est-ce qu'on peut faire? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'aliments? Vous avez besoin d'argent? Vous avez besoin de personnes? Quel est le besoin d'une association comme la vôtre? Alors, en ce moment, le plus grand en tout cas besoin des associations, mais de notre association en tout cas, c'est les produits de première nécessité. C'est tout ce qui est alimentaire, parce que les gens ont plus le courage de sortir dehors et de faire des courses, surtout pour les personnes âgées. Parce qu'on est en train de vous perdre. Peut-être le temps qu'on le retrouve, Sophia, vous pouvez peut-être compléter parce que vous connaissez le travail de l'association. Je vois dans l'affiche qu'on m'a donnée quel livret on vient de vous retrouver. Je cherche 500 livraisons de colis par semaine. C'est ça, monsieur Gatoufi? Ah, on ne l'a plus, ça fait rien. Allez-y, Sophia, le temps qu'on le retrouve. Oui, initialement, Ali, d'Entraide et Solidarité, fait beaucoup les SDF et les hôtels sociaux. Donc nous, notre travail avec lui, on ne va pas le laisser, enfin, on va pas lui donner des denrées de manière à ce qu'il fasse une distribution alimentaire simple, puisqu'en fait, dans les hôtels sociaux, les gens ne peuvent pas cuisiner. Et les SDF, pareil. Donc ce qu'on va baser notre aide pour Ali, ça va être vraiment des choses faciles à faire, à fabriquer, des sandwichs, à faire des repas, et surtout, tout ce qui est produits d'hygiène.
Dans les hôtels sociaux, nous avons aussi beaucoup de familles avec des bébés, donc qui couchent les bébés, tout ça. Donc la ville a débloqué des fonds pour... on a un partenariat avec deux grandes surfaces. Et on va être livré deux fois par semaine. Vous avez le droit, hein, alors, parce que, puisqu'elles le font, oui. Autant les mentionner. Alors, Marché Frais et Carrefour. Très bien. Voilà. Écoutez, c'est... Donc, pour l'instant, on a commencé par Marché Frais pour la semaine prochaine. Cet après-midi, donc, on les a rencontrés. On leur a donné notre liste. Demain, on retourne les voir pour finaliser. Et la première livraison arrivera à la maison des associations lundi matin. Très bien. Alors, voilà. On va donner la parole à Myriam Siddiqui, puisqu'on a perdu Ali Gatoufi, mais tout le monde a bien compris ce qu'il faisait et qu'il avait besoin de produits alimentaires de première nécessité. On va retrouver Myriam Siddiqui de l'association Drôle de Dame dans un instant. Je vais revenir vers vous, Frédéric Piot. Décidément, je vais vous appeler Philippe, je ne sais pas pourquoi. Frédéric Piot, parce qu'il y a des gens qui continuent à intervenir sur la question de la mobilité et surtout les piétons, qui disent, voilà, on pense aux cyclistes, on pense aux personnes en situation de handicap, mais les piétons, c'est infernal ici, entre les trottoirs pas larges, les poubelles sur les trottoirs, les mobiliers urbains, pas de place pour les piétons. Alors, est-ce que ça fait aussi partie de la réflexion? Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais mobilité, plan vélo, c'est mobilité douce, parce que dedans, il y a les vélos, mais il y a aussi les piétons, et ça doit effectivement être pris en compte. C'est vrai qu'avec le collègue de la sécurité, on essaye de mettre en place un dispositif pour favoriser, pour empêcher les gens de se garer un petit peu n'importe où, parce qu'on oublie que les trottoirs, c'est d'abord fait pour les piétons et pas pour les voitures, notamment pour se stationner. C'est pas qu'ils circulent sur les trottoirs, mais souvent, on utilise le trottoir pour se garer. Et donc, petit à petit, on va essayer de monter comme ça des dispositifs pour soit revoir le stationnement dans certains endroits, mais faire en sorte en tout cas que les trottoirs soient circulables, parce que c'est embêtant pour les piétons, mais dès que c'est embêtant pour un piéton, c'est embêtant pour une maman en poussette, et encore plus pour une personne à mobilité réduite, hein, ou une personne âgée. Donc ça fait partie des dispositifs on va être attentionné, parce que effectivement. Donc il faut tout refaire, mais surtout, nous dit Nassira, n'oubliez pas mon conseil. Mais maintenant qu'on a dit ça, je pense que tous les quartiers de la ville vont nous envoyer un petit mot en disant de ne pas les oublier. Mais on a bien compris que c'était un plan à l'échelle de la ville et qu'il y aurait des priorités, toujours. Mais que c'est une réflexion globale. Alors, on a, je pense, maintenant Myriam Siddiqui de l'association Drôle de Dame. Myriam, êtes-vous là? Pas encore. Ah, on m'a dit qu'elle était là et finalement, elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends ou bien vous allez me la passer tout de suite, chers amis, en régie? Tant pis. Tant pis. Alors, on va continuer. Sophia va reprendre la parole le temps qu'on retrouve Myriam. Chose qui est que j'avais oublié. En fait, il y a des associations de jeunes qui se mobilisent aussi, qui nous ont proposé leur aide. Et donc, eux, ça va être le mercredi, puisque les maisons de quartier sont fermées. Le mercredi, ils accueillent des enfants, donc on ne pourra pas les utiliser. Donc le mercredi, les associations de jeunes vont faire du portage pour les personnes vulnérables. Les colis vont être emmenés devant chez eux. Personnes malades qui ne peuvent pas sortir, handicapées, pas spécialement âgées. Parfois, il y a des gens malades et ou qui ont tout simplement peur de sortir. Donc ces associations de jeunes vont être déployées sur différents quartiers pour porter justement les colis. Mais Bruno Piriou, j'ai envie de vous demander, avec tout ce qui est en train de se passer, on a un plan d'urbanisme qui doit être fait, un plan de mobilité qui est envisagé et qui est en train d'être construit. Et puis là-dessus, il va falloir, et c'est normal, vous y êtes engagé, mais aider les gens. Vous allez fournir des tests, des masques, aider les associations, etc. Une ville comme Corbeil peut faire ça. Est-ce que ce n'est pas un peu lourd pour... Ce n'est pas une ville très riche, Corbeil. Comment est-ce que vous arrivez, comment vous allez arriver à assumer à la fois les projets sur lesquels vous êtes attendu de développement et cet effort qui vous est demandé en ce moment à cause du virus? Le confinement et le virus, c'est suffisamment dramatique pour que, comme Frédéric l'a dit, on essaye malgré tout de créer de nouvelles opportunités. Je ne peux pas dire qu'il faut que ce soit une chance. C'est tellement dramatique, les décès, les malades, l'hôpital saturé, évidemment. Dans ce contexte,
Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire appel à la générosité et à l'intelligence des habitants. On a souvent dit, notre équipe, ces dernières années, que la richesse de Corbeil-Essonne, c'était les Corbeil-Essonnois. Et là, c'est l'occasion de le mettre en œuvre. Et donc, dire aux habitants que nous avons 34 élus hyper mobilisés. Ici, c'est le nouveau centre administratif. Tous les élus viennent travailler ici. Toute la journée, ça travaille. Il y a une équipe, ce n'est pas que le maire, vous en avez l'exemple avec Frédéric et Sophia, une équipe ultra mobilisée. Steve, tout à l'heure, nous disait en intervenant qu'il fallait que... On sent de la colère chez Steve et chez d'autres. Je tiens à dire que je comprends la colère. Hein, et que nous, je le dis à mes collègues, nous ne sommes pas des petits préfets. J'ai beaucoup de respect pour les préfets, mais nous sommes là pour à la fois faire respecter les règles que nous demande de faire respecter le préfet, l'État, mais on est là aussi d'ailleurs pour refaire monter des colères. Il y a des lycéens en colère, il y a des enseignants en colère, et je les comprends. Hein. Donc je le redis, il faut que dans cette période de crise, on comprenne que la France n'est pas un pays pauvre, qu'il y a de l'argent, souvent donné un peu à tort et à travers avec le CICE à des grandes entreprises. C'est le moyen, c'est le moment de respecter les enseignants, les lycéens, les personnels hospitaliers. Donc nous aussi, on est en colère. Mais notre responsabilité de maire, c'est pas simplement d'être en colère. Steve disait, il faut que Corbeil-Essonne soit une ville à part, je sais pas à part, mais concrètement, oui, on a beaucoup de choses à faire. Il faut à la fois que l'urbanisme, ça continue. L'urbanisme, c'est quoi? C'est les rénovations doivent continuer, construire des logements. On a un collège, un cinquième collège à installer. Il faut que tout ça puisse se faire et qu'en même temps, ville solidaire, ville éducative, ville citoyenne, on le met en mouvement. Et donc l'opportunité, c'est pas le bon mot, mais la galère qu'on a avec ce confinement, il faut que ça décuple les énergies pour que les énergies des Corbeil-Essonnois se mutualisent et se mettent en réseau. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, on a retrouvé Myriam. Je signale à l'internaute qui a signé Hopi Hopi, qui doit être un surnom, j'imagine, et qui est un ado de 17 ans qui aimerait s'engager, proposer son aide, qui voudrait donc bien vous contacter, Sophia. Donc, on a donné le téléphone tout à l'heure. Oui, je vais le préciser. Alors, redites un mot très rapide. Ce n'est pas ce que nous disions. 01 60 89 72 01. 01 60 89 72 01 est le numéro supplémentaire en plus du standard de la ville pour se rendre disponible. Alors, c'est un numéro réservé à tout ce qui peut être fait dans ce domaine. Hein. Ne vous en servez pas pour demander l'horaire des cantines ou chercher un logement. Il y a d'autres numéros qui sont affectés à ça. C'est vraiment, voilà, il est de nouveau apparu. On peut le laisser un peu. Je vous dis ça en régie, laissez-le, c'est pas grave, ça n'empêche pas. Alors, Myriam, est-ce que vous êtes là, Myriam? Est-ce que ça va marcher? Ah, oui, mais oui, là. Myriam Sidiki, bonjour, vous êtes à l'antenne. Drôle de dame. Alors là, vous regardez votre écran, vous ne nous entendez pas, manifestement. Voilà, c'est dommage, on aimerait bien que vous nous entendiez et on aimerait vous entendre. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Myriam? Non, l'image est figée, je crois. Je crois qu'on va renoncer à la voix. Je suis très loin, mais je suis là. Ah, vous êtes là, très bien. Donc l'image n'est pas bonne, mais vous nous entendez. Allez-y. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites, drôle de dame? Vous faites quoi? On vous écoute. Si je vous entends, je ne sais pas si c'est vous qui ne m'entendez pas, peut-être. On vous entend, Myriam, allez-y. Alors, oui, donc, je suis la secrétaire pour l'association de... Ah, je crains qu'on ait un problème de connexion avec vous. Je représente donc l'association Drôle de Dame, qui est donc pour sa présidente Karima, c'est donc ma maman. Donc moi, je suis la secrétaire donc, de l'association Drôle de Dame, qui est en place à Corbeil-Essonne depuis maintenant plus de 15 ans. Je vais le dire à nos amis en régie, il faut arrêter parce que... Non, mais on reprendra. Alors, soit vous coupez l'image et vous contentez du son, mais on vous entend mal, ça va être très difficile. Je pense qu'on va... Ce que je vous propose, parce qu'on va faire... Il faut trouver une solution, parce qu'on va bientôt s'arrêter, c'est qu'on va aller vous voir,
on va vous enregistrer et on diffusera votre intervention lors de la prochaine émission mardi. De manière à ce qu'on comprenne ce que vous faites, comment on peut vous joindre, comment on peut vous accompagner. Je sais que vous vous êtes occupé de familles en difficulté, notamment pour les denrées alimentaires, et que vous comptez continuer lors de ce deuxième confinement, donc il n'y a pas de problème. Désolé, en général ça marche bien, mais... Parfois, la ligne, c'est pas la ligne ici, c'est la ligne avec la personne qui est de l'autre côté. Alors, on arrive un peu vers le bout. Qu'est-ce qu'il y a comme... Quelle va être l'actualité? Parce que là, on va arriver au week-end. Hein, alors, ça va être un week-end confiné, donc on n'a pas encore vraiment complètement vécu ça, même si, de fait, si. Mais la dernière fois, c'était les vacances de Toussaint, on pouvait encore un petit peu bouger. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place dans la ville? Comment est-ce qu'on fait face dans la période qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a des actualités dont il faudrait parler qui peuvent intéresser les gens qui nous regardent? Oui, on va mettre en place... Bon, d'abord, le gros du travail qui nous a mobilisés a été de mettre... ça a eu deux appellations, ou un poste de commandement, mais en tout cas une veille solidaire et sanitaire qui se réunit régulièrement à l'étage ici, au quatrième étage du nouveau centre administratif. Sophia y était ce matin. Le gros de notre travail, ça a été d'être très opérationnel dès la semaine prochaine pour l'aide alimentaire. C'est considérable. Il y a des centaines de personnes qui ne mangent pas à leur faim et la crise économique et le confinement en rajoutent. Donc ça, ça a été notre actualité. Il y a, je dis, les tests. C'est pas rien si dans les jours qui viennent, 4000 personnes peuvent se faire tester à Corbeil-Essonne. Il y a ce numéro donc, d'urgence où... voilà, nous ne sommes que jeudi. Et donc tout ça se met en place pour recueillir des bénévoles, les réorienter vers les personnes isolées, etc. On a aussi, c'est un de nos soucis, des projets de construction, de rénovation, la vie continue. Puisqu'on n'arrête pas le travail, un nouveau collège, on cherche à localiser un nouvel endroit pour faire un nouveau centre technique, la rénovation au Tarteret de l'ANRU va reprendre, et nous avons une exigence, c'est que le confinement ne doit pas nous enfermer en mairie pour continuer à gérer la ville sans la vie des habitants. Et donc, par exemple, nous allons multiplier dans les jours qui viennent des balades urbaine. Nous allons dans les quartiers, avec les élus des quartiers, c'est prévu à Chantemerle, c'est prévu au Tarteret, on va avoir des balades urbaines dans tous les quartiers, à bonne distance, pour aller au-devant des habitants, parler de ce qu'il faut changer dans les quartiers, et faire continuer, en tout cas par la vie démocratique, nos projets, les mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de dire, on confine, on ferme la boutique pendant un mois, mais ça se trouve plus, non. C'est là où il faut être inventif. Et donc, les balades urbaines, c'est le moyen d'être dehors avec les élus. Et donc, sur les bailleurs, quand c'est dans les quartiers, pour Chantemerle, évidemment, pour les Tarterets. Mais on va faire ça dans tous les quartiers de Corbeil. Il faut que le contact et la vie sociale et démocratique, et au final, politique, continue. Donc, on donnera un calendrier avec toutes ces rencontres. Alors, on arrive à 19h30, donc on arrive à la fin. Donc, je vais refaire un appel à tous ceux qui nous regardent. Je l'ai dit la dernière fois, 4000 personnes qui ont regardé, des centaines qui ont continué. On fait un appel à tous ceux qui ont des témoignages, qui ont des choses à dire, des choses à partager, des questions à poser, des exemples de choses qui se font dans le domaine de la solidarité, mais aussi dans le domaine du déplacement, dans le domaine de la redécouverte un peu aussi de la ville, parce qu'au premier confinement, on a vu à quel point les gens avaient redécouvert la nature aussi, parce que c'était aussi une occasion de vivre un peu autrement, comme l'a dit une de nos intervenantes tout à l'heure. On se pose des questions, on réfléchit à son projet de vie, c'est aussi des moments importants, c'est des moments qui comptent dans l'existence. Si vous avez ce genre de choses à partager, vous vous adressez, il y a un lien qui est sur le site de la ville qui vous permet de prendre contact avec ceux qui préparent ces émissions qui sont pour vous, qui sont l'occasion de dialoguer. Et je rappelle aussi le rendez-vous de mardi prochain à 18h30. Le directeur général des services de la ville sera là. On va sans doute aller voir comment ça se passe du côté des services. C'est important. À la voirie, il y a des gens qui continuent à faire leur boulot en ce moment. Dans les écoles, un peu partout, à l'état civil, partout, par télétravail. Et de la mobilité de personnel, des équipements qui étaient fermés comme dans les maisons de quartier. On va les réouvrir pour de la solidarité. Voilà. Et on redispose du personnel qui ne peuvent pas faire leur travail habituel sur de la solidarité, de l'accueil et de la rencontre. Sophie. Les maisons de quartier ne sont pas fermées. Ils accueillent les enfants à partir de 16h30 pour le classe. Donc nous, la distribution va se faire
l'après-midi de 14h à 16h. C'est sur rendez-vous, c'est le CCAS qui donne rendez-vous pour qu'il n'y ait pas trop de gens. Donc chaque quart d'heure, il va y avoir un rendez-vous pour 4 familles ou 4 personnes qui viendront tous les quarts d'heure. Et il y a une désinfection qui se fait entre 16h et 16h30 pour accueillir les enfants. Donc tout est vraiment... Donc les parents doivent être rassurés. Rassurés, tout sera dans les normes sanitaires. Très bien. Alors, on n'a pas le temps de le mettre à l'antenne, mais c'est corbeille-en-direct@gmail.com. Ça, c'est ce qui vous permet d'envoyer des messages. Et donc, on le redit, mardi prochain, on va aller voir ceux dont on dit parfois du mal. Hein, les fonctionnaires, on dit qu'ils ne bougent pas, ils ne travaillent pas. Alors, en fait, c'est un peu le contraire qu'on est en train de voir. On voit à quel point ils ont su changer, et puis peut-être changer de métier, changer de fonction, se mobiliser. C'est important d'en parler. Vous les croisez tous les jours. Vous ne savez peut-être pas ce qu'ils font. Maintenant, vous allez le savoir. Donc, on va en parler mardi prochain avec le directeur général des services, avec l'élu en charge du personnel, Frédéric Bourges, si je ne me trompe pas, vous-même. Et on aura une émission formidable. N'hésitez pas à la regarder, à nous contacter. Je le redis, corbeille-en-direct@gmail.com. Et je vous souhaite une bonne soirée.